tous. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême de son pays, la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Nous disions-nous, le cinquième président de la République, après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, 1960 à 65, Joseph Désiré, quelle accolade! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Quelle cérémonie poignantement accolade! Le serpent et l'entrant sont devant vous. Une première pour ce pays qui, depuis le coup d'État de 1965, avec Mobutu, n'a connu que des militaires et dictateurs à sa tête. Cette passation pacifique de pouvoir, cette fois-ci entre le sortant Joseph Kabila et l'entrant Félix Tshisekedi, déjouait ainsi le chaos que prédisait le climat très tendu d'avant les élections. Est bel et bien monté d'un cran aujourd'hui en RDC. Kabila, qui s'était offert 2 ans de plus au-delà de son mandat légal, était ainsi forcé par l'opposition et le peuple à s'incliner. Félix Tshisekedi comprit très vite qu'il nageait entre deux eaux profondes, l'estime du peuple à son égard, son élection donc, et le système Kabila ancré dans la tête et les cœurs des politiciens congolais dont la politique est une vache à lait. La sagesse s'imposait et il en a usé. L'Alliance FCC Cash vit. La situation est inédite. On n'a jamais eu un président d'un autre bord politique et une majorité parlementaire différente. Au lieu de la cohabitation qui aurait été assez, moi je pense, dramatique pour notre pays, parce que jamais vécu, nous avons opté pour la coalition parce que, comme je le disais, nous avons une même approche idéologique. Donc ce serait beaucoup plus facile de coaliser nos forces. Une opposition sortie de la frustration de Genève, dénommée la MOCA, dirigée par Martin Fayoulou, candidat malheureux aux élections de 2018, et qui n'était pas loin d'hypothéquer le pays au profit à intérêt individuel, le traitat de dauphin de Joseph Kabila est au pouvoir grâce à la magie qu'elle a su monter et grâce à cette trahison de Félix Tshisekedi, donc qui a maintenu Kabila parce que Félix n'est qu'un masque. Et rallié par une certaine presse, infecta l'air du vocabulaire apparenté au tribalisme et au chaos. Une stratégie de division qui a été d'ailleurs promise par le numéro 2 de Fayoulou, Adolphe Mouzito, qui disait « Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas paix afin que les investisseurs ne viennent pas dans ce pays. » Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. On n'a jamais vu ce genre de fait. Cette manifestation de violence telle qu'on la voit et qui ressemble, comme je disais, à ce qu'on voit à l'Est, avec des décapitations, avec des choses comme ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et il y a eu des arrestations. On a par exemple arrêté des gens qui ne parlent aucune des langues nationales ni de dialecte du pays, et qui parle une langue étrangère, d'où l'arrestation, peut-être, du général Yav, oui. On verra quel lien
ça avec, avec ces événements. La diplomatie, Félix Tshisekedi, réussit pourtant à sucer tout le jus du FCC autour de lui et à s'en débarrasser. Alexis Tambwe-Mamba, président du Sénat, et Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, tombent et entraînent avec eux dans leur chute certains ministres FCC. Conséquence, le nombre des grilles augmente et la liste de chômeurs s'allonge. Le temps change et du coup, Félix Tshisekedi devient, sans expliquer comment, le dauphin de Paul Kagame. Le président rwandais, qui était d'ailleurs favorable à la MUCA, pour lequel il avait sollicité le report de la publication des élections qui déclarait Félix Tshisekedi vainqueur. Pas plus loin qu'hier, le tweet de Jean-Marc Cabonde qui lui a coûté ses deux postes à l'Assemblée nationale et au sein même de l'UDPS a réveillé encore le script d'un deal dont l'opposant Martin Fayoulou et compagnie n'arrivent pas à achever la rédaction. Comme par un temps magique, Jean-Marc Cabonde dévoilerait bientôt le contenu du deal. Il n'a pas fallu attendre longtemps l'interrogatoire subi par François Billard, soupçonné de fomenter un coup d'État contre la République par les services de renseignement, les inspire à revisiter la thèse du deal entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. François Billard dévoilerait bientôt le secret du deal parce qu'il était le témoin privilégié, disent-ils. La vérité est que le programme de 145 territoires est un projet de développement à la base qui va envoyer plusieurs politiciens du passé et une certaine opposition dans les annales de les réalisations. Nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites et il y a ce fabuleux et ambitieux programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date, dont le PNUD d'ailleurs a dit que c'était le plus beau programme de toute l'existence du PNUD, on n'a jamais vu ça, et il permettra à la République démocratique du Congo d'atteindre 12 des 17 ODD. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons pour notre peuple, nous sommes au service de notre peuple. Évidemment, ce pays, il revient de loin. Monsieur Boisbouvier, ce n'est pas à vous que je vais décrire l'image que la République démocratique du Congo avait dans le concert des nations. Ne fût-ce que pour entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'était impossible. Le pays était devenu aphone. À une époque. Oui. Et nous avons réussi à ramener le pays à l'agenda international. C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections.